Vous recherchez une presse à chaud pour textile, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures presses à chaud qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc, une presse à chaud ou aussi appelée une presse à transfert thermique, ça vous permettra de réaliser des impressions par transfert, c'est-à-dire que vous allez avoir avec du papier transfert certaines images que vous avez envie peut-être de transférer sur un t-shirt, sur un jean ou voilà, sur peu importe le textile. Et donc avec la combinaison de chaleur et de pression, ça va permettre au motif de s'adhérer solidement sur le tissu. Donc c'est très bien pour la personnalisation d'habits, la création de design, pour sublimer vos vêtements. On aura une production qui pourra être élevée avec ce type de produit. Donc voilà, c'est super intéressant, que ce soit pour un t-shirt, un sac, une casquette ou peu importe, ça fonctionnera. Je vais donc vous présenter les modèles les mieux notés sur le marché par ordre de prix décroissant, en espérant que ça facilitera votre choix. Et bien sûr, il y aura tous les liens dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés. On va commencer avec le Cricut framboise, donc Easy Press ou presse à chaud. C'est un des modèles les plus populaires et c'est en tout cas le mieux noté sur le marché. On a une moyenne d'évaluation qui s'élève à 4,8 étoiles sur 5 sur plus de 300 évaluations clients. Donc c'est vraiment excellent. C'est très rare d'avoir une aussi bonne moyenne. Le prix n'est pas donné non plus avec cette marque, mais clairement ça vaut le coup. Donc là, les dimensions avec ce produit ici, ce sera 30 x 25 cm, ce qui est quand même pas mal. Vous pourrez faire des projets de relativement grande taille. Vous aurez des résultats durables même après des lavages répétés. Les transferts vont vraiment rester intacts. On aura une régularité de la plaque chauffante et sa surface en céramique qui permettent des transferts homogènes de grande qualité. C'est compatible avec la gamme Infusible Ink et la plupart des marques de flex ou de thermocollants. Le contrôle sera très précis au niveau de la température, vous pourrez aller jusqu'à 205 degrés. Donc clairement, je dirais que le seul bémol de ce produit, c'est le prix qui est un petit peu élevé, mais sinon c'est, je pense, vraiment le meilleur produit presse à chaud pour textile sur le marché. Vous pourrez retrouver plus d'infos en passant par le premier lien dans la description. Un deuxième modèle que je vous présente, c'est le Iterbye presse à chaud pour t-shirts, chaussures, sacs, casquettes, etc. Donc c'est un modèle qui reste très bien noté, à 4,7 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 800 évaluations. Alors il sera quand même bien plus petit, cette fois-ci on aura une taille de 17 x 9 cm. Donc ce sera intéressant si vous comptiez faire des motifs très petits, ou en tout cas pas trop gros, ce qui par contre était possible avec le modèle précédent. Après, l'avantage, c'est qu'il sera quand même beaucoup moins cher. Il y a une énorme différence entre les deux au niveau du prix. On aura toujours un contrôle intelligent de la température jusqu'à 180 degrés cette fois-ci. Une utilisation qui sera sûre. Ça pourra servir aussi de mini fer à repasser portable pour enlever voilà, quelques plis sur un vêtement. Et donc, ça vous permettra d'avoir toujours un transfert homogène de vos thermocollages. Même si ce ne sera pas des motifs trop gros, vous pourrez toujours vous en servir pour mettre sur des t-shirts, des casquettes, des sacs, voilà, enfin tout ce que vous voudrez, tout textile dont vous aurez envie. Et d'ailleurs, c'est livré avec 12 autocollants de transfert thermique à repasser. Si voilà, c'est toujours un petit bonus. Donc choix quand même assez intéressant, surtout au niveau du prix. Et on finira avec le Qkly. Donc c'est une mini presse à chaud, un petit peu comme le modèle précédent, mais en encore plus petit cette fois-ci. Donc c'est un modèle quand même relativement cheap dans le sens où il est très peu cher. Là pour le coup, c'est assez impressionnant de voir un prix aussi bas pour une presse à chaud. Mais là, c'est vraiment pour des tout petits motifs. Donc peut-être que ça ne conviendra pas à vos envies, à vos besoins. Tout dépend de l'utilisation, mais là on aura une taille de à 9 x 5 cm. Donc autant vous dire que ce sera des très petits motifs, peut-être plus adaptés pour une casquette ou voilà, ou plutôt si vous préférez faire plein de petits motifs sur un t-shirt plutôt qu'un gros principal.
Enfin voilà, ce sera un peu plus adapté aux petits projets. Les évaluations seront un peu moins bonnes aussi, 4,3 étoiles sur 5, sur plus de 1500 évaluations. La température ira jusqu'à 190 degrés avec 3 niveaux de réglage. Vous aurez toujours une utilisation qui sera sûre, un chauffage rapide, durable, tout ça, une poignée confortable. Donc voilà, si c'est plutôt pour vous amuser avec, que c'est pas pour faire de la production professionnelle et que vous avez un petit budget, ça peut être clairement une bonne idée d'aller vers ce choix, même si c'est vraiment pas du tout le mieux noté. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures presses à chaud pour textile qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos techniques, cliquez sur les liens en description. Ce sera en fonction de l'ordre d'apparition des produits. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.